Bonjour les amis, heureux de vous avoir avec moi à nouveau. Je suis en route vers Paris aujourd'hui. Je voulais juste partager quelque chose avec vous. Quand je suis sur la route, j'en profite toujours pour beaucoup réfléchir, pour développer des idées. Il y a parfois des idées qui me viennent. Et voilà, faire de la route est un moment où je peux... Justement, on n'est pas pollué par trop d'appels ou par les affaires du bureau. Et ça me permet de réfléchir. Et je pensais à un truc. Aujourd'hui, j'écoutais la radio et... je pensais à un truc à partager avec vous, c'est que ce qui favorise l'optimisme, c'est bien entendu l'humour, rire. Et bon, bien entendu, vous avez vu dans toutes mes vidéos que le rire et l'humour, et si vous avez assisté à mes conférences, que l'humour et le rire fait partie de mon quotidien, et que c'est également un moyen de pouvoir relativiser les choses. Et donc j'écoutais la radio, et c'est vrai que j'écoutais une émission, là j'écoutais Cyril Hanouna, vous savez, j'ai rencontré Cyril Hanouna, vous avez vu sur l'une de mes vidéos où je suis avec lui dans sa loge. Voilà, et c'est quelqu'un qui me fait beaucoup rire, c'est quelqu'un qui est naturel, son équipe, mais outre Cyril Hanouna, tous les autres humoristes que l'on peut avoir qui sont à notre disposition, que ce soit des Gad Elmaleh, des Jamel Debbouze, des Florence Foresti ou qui que ce soit d'autre, même des anciens, Coluche, etc. Rire, riez, prenez vraiment le temps de rire, et si vous n'avez pas envie de rire, eh bien écoutez des humoristes qui vous feront rire, qui vous donneront envie de rire. Et je pense que, justement, ces gens de talent qui font de la scène sont là pour cela, pour nous apporter un petit peu un rayon de soleil, de la lumière, alléger un petit peu nos journées par le rire. Donc voilà, si vous ne savez pas rire, vous ne pouvez pas rire, vous n'avez pas une humeur à rire, justement, écoutez-les, regardez un DVD, téléchargez un MP3, mais... Ces gens-là, c'est leur métier de nous faire rire. Profitez-en, vous allez voir, ça fait tellement de bien et ça sécrète en effet les hormones du bonheur qui vous permettront en effet de vous sentir beaucoup mieux. Donc, si aujourd'hui vous avez des difficultés, si aujourd'hui la journée est lourde, si vous n'avez pas envie de rire, au lieu d'écouter la musique qui va vous déprimer, parce que ça aussi ça l'influence, ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo, écoutez des sketchs, de l'humour qui vous fera rire et vous verrez, ça va vous libérer. Ça vous fera du bien, ça vous fera... Moi, je suis ici tout seul dans ma voiture, à éclater de rire, et je me dis, tiens, il faut que je partage ça avec vous. Allez, je vous dis, simplifiez-vous la vie, et soyez heureux, à très vite. Ciao, ciao.